Je sais plus, j'avais fait une vidéo, il y a une meuf qui a dit, mais t'aimes pas les femmes en fait, toi? T'es toujours en train de dire un truc. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi. Et même petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi, retiens bien son nom parce qu'on fait que commencer. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Oui, et donc du coup les gars, l'idée de la chaîne les gars, c'est pas de permettre de déterminer, passer à l'action. On a marre les gars, t'es toujours là, vous êtes là, alors là on fait quoi? Après tu te fais gifler. Non les gars, important les gars de faire un peu d'oseille, sinon ça va être compliqué. Si tu veux être libre en tout cas, après sinon si t'es bien dans ton taf, c'est cool. Et tu regardes mes vidéos juste pour t'ambiancer parce que des fois je fais des vidéos un peu gossip. Alors à ce moment-là, pas de problème. Mais pour ceux quand même qui sont alertes, qui se disent, ça serait bien quand même si je pouvais voyager, être libre et pas suivre mon patron, toujours compter sur mon patron. Est-ce que je peux prendre Noël? Ah, pas cette année. Ah, ok. C'est Gérard qui... Ah, d'accord. Ok. L'année prochaine? Ah, ok. Super. Ce serait bien quand même, les gars, non? Non? Reprendre un petit peu de pouvoir de sa life. Donc il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Arrête de créer à l'arnaque, jette un coup d'œil, tu verras. C'est pas compliqué. Après, c'est simple, mais par contre, à mettre en place, là, bah, il faut un peu de coronesse. Les gens, c'est compliqué maintenant, les gens, ils n'ont pas de coronesse. Donc, bon, on ne sait plus ce qui se passe, qui est-ce qui est homme, qui est-ce qui est femme. Hein. Bref, et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, tu le sais, où je te montre exactement les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. J'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment investir dans les cryptos, comment investir dans les startups. Bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur le personal branding aussi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en plus, tu as accès à l'incubateur qui te permettra d'avoir du coaching sur le marketing, sur comment trouver ton pourquoi, sur plein de choses, les gars, ok? Donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu mets ton numéro de téléphone en cliquant sur le lien dans la description, ok? Et un membre de mon équipe qui va te rappeler, l'appel est offert, les gars, c'est gratuit, 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 les gars, ok? Donc tout ce que tu auras à faire, c'est bah, si tu poses tes questions, voilà. Si jamais tu dis, oh non, c'est éclaté, Pirate Marketing, ça ne m'intéresse pas, bah, ok, bah, salut, bonne journée, voilà. Il n'y a pas de problème. Si, par contre, si jamais tu es intéressé, j'ai dit, oh, bah, tiens, ça me paraît peut-être pertinent, peut-être que c'est pas un mytho. Ah, bah, à ce moment-là, boum, on va t'accompagner à mettre en place le dossier et on donnera les accès à Pirate Marketing. Après, ce sera long, ce sera dur, tout ce que tu veux. Mais par contre, ça en vaut le coup. Voilà, c'est à toi de voir. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Aide technique, hein, on est tous ensemble, les gars, ça fait plaisir. Et donc, du coup, j'ai ouvert le business super tard. J'avais 33 ans. Arrêtez de chialer, les gars. Maintenant, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Hein, ça s'est pas fait tout seul, les gars. Hein. C'est pas fait la loi d'attraction. Je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Oh, de l'argent sur mon compte. Ah, ben c'est bon, on peut voyager. Non, ça se passe pas comme ça, les gars. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Mais c'est que le problème, c'est que tout le monde vous a menti, les gars. Tout le monde vous a menti. Après, c'est normal, c'est du marketing. Oui, t'inquiète pas, tu vas devenir millionnaire rapidement. T'inquiète pas, la loi du secret. Après, les gars, ils sont là. Alors, je suis pas millionnaire. Ils commencent 6 mois après. Bah alors, y a pas d'argent sur le compte, là. Je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est de l'arnaque! C'est des voleurs! Voilà, parce que peut-être qu'à un moment donné, les gars, peut-être il faut essayer d'utiliser ce qu'on a dans notre cerveau. Alors, moi aussi, je suis passé par les mêmes phases. Moi aussi, je me suis fait carotte. Et puis après, avec l'expérience, et je suis dans le game, je passe à l'action, je dis, mais en fait, c'est pas comme ça, en fait. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça, les gars, qu'on est là. Hein, on est là, c'est moi. Hein, moi, on est là pour pouvoir vous donner le bon chemin, la vérité. Voilà, 2 à 5 ans. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, c'est quoi le sujet de la vidéo? L'erreur que la plupart des hommes font avec les femmes. Oui, ça, c'est très important, ça, les gars. Ça, c'est l'erreur fatale. Fatale, et c'est pour ça qu'après, ça se passe pas bien. Et après, ça a mal à la tête, etc. Et après, tout le monde est frustré, tout le monde est énervé. Et après, ça tire aux États-Unis dans la foule. Donc voilà, donc important, donc du coup, je pense même que ma vidéo devrait être sponsorisée par l'État. Mais bon, après, c'est pas grave, les gars, je travaille à mon compte, donc il n'y a pas de problème. Bref, parce que tu sais qu'aujourd'hui, ah ouais, non, en fait, non, finalement, je pense qu'ils n'auraient pas forcément envie de sponsoriser ma vidéo, finalement. Parce que ça ne va pas correspondre à leur agenda, ce que je vais dire. Ce que je vais dire. Donc tu sais qu'aujourd'hui, tout le monde est énergie. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, tout est interchangeable, hein. Et je parle de homme-femme, je pourrais dire, il n'y a plus d'énergie masculine, il n'y a plus d'énergie féminine. Tout le monde peut être interchangeable, on est égaux. À un moment, tu peux être une femme, à un moment, tu peux être un homme. Montre tes sentiments, sois fragile, pleure. Allez, pleure, allez, pleure là.
c'est bon, montre tes sentiments. Oh, voilà. Donc aujourd'hui, on t'a fait croire qu'on, en gros, avoir une énergie masculine aujourd'hui, si tu regardes bien, c'est toxique. C'est parce que quand elles appellent toxic masculinity, c'est quoi? Ouais, j'ai fait un mélange français-anglais, je suis perdu, les gars. Merci pour ceux qui mettent dans les commentaires. Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est les genres. C'est qu'en fait, en anglais, on dit gender, et après, je mélange. Bon, tu tombes à l'air. Hein. Bref. Et donc, du coup, ouais, toxic masculinity. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est juste être un homme. Donc, aujourd'hui, bah, les hommes, on est là, on dit, mais est-ce que je peux être un homme ou pas? Parce qu'on dirait que tu sais même plus, parce que t'as une manière de vouloir fonctionner naturellement. Mais comment t'as dit que c'était pas bien? Tu fais, ah ouais, je peux pas. Ah d'accord. Ah, c'est fou que je monte mes sentiments. Ah d'accord. Mais pourquoi tu montes jamais tes sentiments? Pourquoi t'es solide comme un roc? Pourquoi t'as de la testostérone? T'es chelou, toi. Un peu d'oestrogène, là. Alors, pleure un petit peu. Hein? Voilà. Donc là, après, les gars, on est là. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je monte mes sentiments. C'est dur. Voilà, là, c'est bien. Voilà. Donc du coup, mais t'es un peu fragile quand même. T'as j'ai plus confiance. Bah tiens, je vais demander un divorce. Allez, chut, hop, voilà. Et après, putain, je comprends pas. Ils sont où les hommes? Il y a plus d'hommes. Voilà où on en est, les gars. Mais c'est pour ça, les gars, très important d'être attentif et de pas écouter ce que toute la société vous dit, les gars. Donc du coup, on arrive quand même au sujet de la vidéo. Ouais, Joe, tu pars dans tous les sens. Calme-toi. Je fais ce que je veux déjà. C'est ma vidéo et c'est ma chaîne aussi. Donc du coup, l'erreur que la plupart des hommes font et qu'il faut absolument pas faire, les gars. Que tu sois célibataire ou en couple, mais un petit j'aime pour l'info que je vais te donner, ça fait quand même toujours plaisir. Les gars, je prends des risques, les gars. Sachez que ce que je dis, les gars, c'est pas politiquement correct. On sait pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, je me demande. Je comprends pas. Mais c'est pas politiquement correct, apparemment. Bon. Donc, du coup, c'est que les gars ne respectent pas les polarités entre hommes et femmes. Ça veut dire qu'en gros, les hommes commencent à devenir des femmes, commencent à avoir des énergies féminines. Ok. Et donc, quand t'as une énergie féminine, forcément, bah, tout part en sucette. Parce qu'elle, elle se dit. Bah attends, mais du coup, si c'est lui qui a l'énergie féminine, parce qu'il faut toujours une polarité. Donc si jamais tu commences à avoir l'énergie féminine, bah, elle va développer son énergie masculine. Et c'est pour ça qu'on en arrive à avoir des femmes qui sont masculines. Et après, les gars, ils sont féminines et ils se font gifler. Oui, littéralement. Littéralement. C'est pas genre... pas verbalement. Littéralement. Mais ça, ils le disent pas. Voilà, parce qu'ils ont honte. Et donc, du coup, elle perd son attraction envers toi. Donc l'erreur que la plupart des gars font, c'est qu'ils se transforment en femme sans même le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qu'est-ce qu'est être un homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le contenu sur tout ce qui est la masculinité est en plein essor. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne savent même plus qu'est-ce qu'est être un homme. Aujourd'hui, les Marvel, quand même à transformer les super-héros qui étaient super virils, on ne sait plus qu'est-ce que c'est. On ne sait plus. Le Spider-Man, là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc leur idée, c'est vraiment de transformer tous les hommes en femmes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour rendre la société plus manipulable, peut-être. Je sais pas, c'est une théorie, les gars. Hein. Mais donc, en gros, je dis, ouais, mais comment je fais pour savoir quand je suis dans l'énergie masculine, comment on s'organise? Bah, c'est simple, par exemple, quand on a des décisions à prendre. Par exemple, quand on te dit, ouais, quelle robe je mets? Je mets cette robe-là ou cette robe-là? Au lieu de répondre, bah, mets n'importe quelle robe, moi, ça me va, c'est comme tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Toi, tu as l'impression que c'est une réponse anodine? Pas du tout. Là, elle te demande ton avis, ton opinion. Et ça demande, en fait, ton énergie masculine. Donc, du coup, tu lui dis, j'aime la robe rouge avec les chaussures, les talons. Important, les filles. Les talons noirs vernis. Là, on est bon. Hein? Mais après, même si tu mets l'autre, je t'aimerai toujours. Ça, c'est le cadeau, ça. Voilà. Mais là, au moins, elle est contente. Même si après, en gros, tu lui as dit, parce que ta réponse de base, c'est tu voulais lui dire, tu mets ce que tu veux, je m'en fiche. Ou à moins que tu veux vraiment qu'elle mette la robe rouge, bon, bah, à ce moment-là, tu lui dis. Mais dans tous les cas, au moins, tu as donné la réponse en lui donnant ton aide, énergie masculine, et dans une prise de décision, ok? Et à la fin, tu lui as fait comprendre, de toute façon, même si tu peux faire ce que tu veux, je t'aimerais quand même. Ah, les gars, faut être un petit peu romantique des fois. Les gars. Mais au moins, elle est contente. Elle dit, ok, elle se laisse aller le flow de l'énergie masculine. Et elle se dégage son énergie féminine. Et là, on est bon. Ou deuxième exemple, si elle a un choix de carrière important qui va avoir un impact sur le futur, elle va te demander, ben écoute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Etc. Et que toi, tu lui dises, oh, ben, fais comme tu veux. Mauvaise réponse. Non. Elle demande ton énergie masculine. Parce que ça demande, c'est des trucs, prise de décision, etc. C'est l'énergie masculine, ça, les gars. Hein, parce que oui, je sais qu'aujourd'hui, oui, non, mais moi aussi, je suis une femme, je peux faire, etc. Oui. Mais en fait, si t'es féminine, c'est pas ta priorité. Non, c'est pas ça. Donc du coup, la bonne réponse, c'est que tu lui dis que je pense que tu devrais faire ça. Tu l'aides en fait à prendre une décision. Tu dis voilà, en fait, tu as fait appel à ton énergie masculine. C'est l'idée des polarités.
Donc je lui dis, voilà, ben moi je pense que ce serait bien de faire ça, tu l'aides à prendre une décision, ouais, je pense que ce serait bien par rapport à ça, logiquement, il est homme quoi, bonhomme. Ah, tu penses que ce serait mieux parce que par rapport à ça, ah ouais, ok, Mais après, si jamais tu fais l'autre, tu risques peut-être d'avoir tel avantage, inconvénient, etc. Blablabla. Tu l'aides en gros à prendre la décision. Et là, on est bon. Là, elle est contente. Elle dit, ah ouais, lui, c'est un homme à la maison. Là, on est bon. Ok, même si c'est conscient ou inconsciemment. Parce que sinon, parce que tu te dis, ouais, mais et alors, et ce qu'il y a des mecs qui vont dire, ouais, mais moi, je peux prendre mes décisions, tout ça, j'ai pas besoin de quelqu'un de demander l'avis, je sais pas quoi. Oui, évidemment, les gars. Évidemment. Parce que voilà ce qui va se passer si jamais tu lui dis, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Ah, d'accord. Bon, ben d'accord, ben je vais faire comme je veux. Et donc, du coup, elle va faire appel à son énergie masculine. Ouais, parce qu'elle a quand même une partie d'énergie masculine. Donc, du coup, elle va faire appel à son énergie masculine. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre ses propres décisions. Ok ? Soit ton avis, en fait, soit ton opinion. Elle va prendre ses propres décisions. Du coup, après, elle va faire plus confiance en ses propres décisions, donc en son énergie masculine, que la tienne. Du coup, après... Ah bah oui, les gars, c'est en cascade, hein. Du coup, après, dans l'intimité, elle va plus te laisser l'idée, parce que de toute façon, l'énergie masculine, c'est elle. Parce que vu que t'as pas été capable de donner une décision, d'être un leader, eh bah, du coup, elle a moins de respect. Et du coup, vu que dans l'intimité, bah, tu ne peux plus embraser l'énergie masculine parce que bah, c'est elle qui l'a et qu'elle ne peut plus te faire confiance bah, dans la vie normale parce qu'elle a besoin, parce que l'énergie masculine, c'est elle qui l'a, bah, ce qui se passe, c'est qu'après, elle a mal à la tête. C'est logique, les gars. Et ça, ce n'est pas ma réflexion. Hein. Ça sort du livre The Superior Way of the Man. Or The Man of the Superior Way. Je ne sais plus. À chaque fois, je confonds. Mais bon, tout ça pour te dire que je ne sors pas ça de mon chapeau. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est ce que je voulais partager avec toi, donc respectez, soyez des hommes en fait. Tout ça pour dire, conclusion, restez des hommes les gars, même si on vous fait croire que c'est nul d'être un homme, c'est nul d'être solide, d'être un rock, d'être un leader, etc. Tu peux être une femme aussi, tu peux raisonner comme une femme, tu peux machin, non, les gars. Et après, parce que de toute façon, au final, ce qu'elles font, c'est que maintenant, aujourd'hui, les hommes se comportent comme des femmes, et les femmes disent où sont les hommes. Carotte, tu t'es pris la carotte. Tu t'es pris la carotte. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Reste respectueux. Hein. Tu te connais déjà, parce qu'il y en a qui agissent, qui répondent avec émotion. Je sais plus, j'avais fait une vidéo, il y a une meuf qui a dit « Mais t'aimes pas les femmes en fait, toi ? T'es toujours en train de dire... » Ah, après, elle a écrit... Après, je crois qu'elle a modifié le commentaire. Elle a écrit... parce qu'elle a regardé la vidéo, elle a dit « Bon, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je reste quand même sur ce que j'ai dit. » Je comprends pas ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu veux ? Oh là là. Ah, ça, c'est la femme. On enjoy les contradictions. Donc, bref. Mais ça me fait quand même toujours rire, tu vois. C'est ça, c'est vraiment... En fait, dès que tu dis un truc, même si c'est des faits, que ça n'a pas de pic, à partir du moment où ça va pas dans son sens, ça caresse pas dans le sens du poil. Surtout qu'en plus, enfin, je vois pas ce que je dis qui peut déclencher les meufs, en fait. Je vois pas trop, en fait. Bref. C'est juste, je sais pas. Bref, en tout cas, on s'en bat les reins, on continue le taf, les gars. De toute façon, c'est super rare. Moi, je dis ça, mais c'est super rare. J'ai rarement des commentaires. Je pense que la plupart des femmes qui suivent mes vidéos ont bien compris que voilà, on était dans la bienséance. On était juste là pour quand même faire que les choses fonctionnent bien. C'est un peu l'idée, hein, que les femmes puissent enfin trouver leurs hommes, hein, les vrais hommes, et que les hommes enfin comprennent qu'à un moment donné, il va falloir se comporter comme des hommes. Bref, les gars, et faire de l'oseille surtout. Et donc, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a tout en description pour aller plus loin avec moi. Il y a eux, il y a nous. J'ai donc gants.